Allez, en espérant que ce soit bien stable, on va reprendre notre avancée de Torchlight 2 à les butées de la gueuse. Alors, je crois que c'était ici. Alors, on doit aller battre la Manticore. Je me rappelle un peu ce que c'est. J'avoue en avoir strictement aucune idée. Alors là, pour une fois, je m'en rappelle pas du tout. Autant d'habitude, ça va, mais là, ça me parle pas. Alors, je me rappelle qu'on était dans le désert, qu'on avait vidé toutes les quêtes secondaires, qu'on avait, comment dire, on avait fait le portail. Voilà, je vois qu'on avait laissé des gens. Alors, par contre, j'ai déplacé sur 8. J'ai un nouveau skill, le 5, qu'il faudra que je teste. Donc, va falloir que je fasse attention. On a notre super drac. Crit-moi sa face à lui. Alors, épaulière du désert. C'est vrai qu'on avait une nouvelle popo. Il me semble que j'ai pas encore utilisé, alors ça, j'aurais peut-être pas dû le prendre. Ah, j'ai toujours envie de me déplacer avec ces touches, moi. Il en reste un là. Où est-ce qu'il est? Alors, où est-ce que. Alors, ici, voilà. Où j'arrive à retrouver la route. C'est vrai qu'il y avait du monde ici. Alors, on va essayer de faire du massacre. Alors, j'espère que ça va être fluide. La dernière fois, sur le retour, sur la vidéo, j'ai vu que. Il y avait eu quelques petits soucis au lancement, rien de méchant. Là, je tire carrément de l'autre côté. Ah non, c'est eux qui me tirent dessus, putain, je me disais. De moi. Pognon. Pognon, c'est à moi. Là, le loup, il est déjà rentré chez lui. Alors, gemme de glace, cadran solaire, qu'est-ce que c'est? Alors, par contre, c'est une grosse arnaque, il n'y avait rien ici. Alors, comment passe-t-on? Est-ce qu'il y a un chemin par ici? Oui, tout à fait. Là où il y a du monde, il y a un chemin en général. Ouais, bouclier à part revendre, on s'en fout un peu. Ah, nos amis les ragondins. Ah, mais ceux qui me jettent des grenades, là, c'est des golems. Mais ils sont des malades. Une baguette, même si c'est pas mon kiff. Sanctuaire de vitesse, qu'est-ce que c'est? Aventurier mort. Ah, ça doit donner un buff de speed, j'imagine. Une veste raccommodée, très peu pour moi. Ah bah lui il a pris pour l'autre. Rappelons notre ami The Wolf. Alors on est toujours sur une base d'un wizard transformé en nécro. Alors donc ça a l'air d'être ici le repère de la Manticore. Et à niveau 22-26 en sachant qu'on va... C'est bientôt 27 et on voit qu'il me reste 2 points à attribuer. Non mais oh les chauves-souris là. Genre calmez-vous bien. Le ragondin aussi. Oh il y a des trucs sauteurs. Moi je suis pas d'accord là. Voilà, on a eu notre niveau. Sérieux, s'il me saoule, j'appelle le drac. Eh ben, je vais pas me gêner. S'ils veulent foutre la merde. À chaque fois, dans certains endroits, le drac fait... fournit un lag. C'est assez bizarre. Arc en chaîne. Ouais, au pire, on peut le revendre. La popo, voilà.
Putain, mais qu'est-ce qui déboîte ce drac? Rappelons notre ami le loup-garou. Que je puisse me la couler douce. Merde, je tape sur le loup-garou. Un coffre, ça m'intéresse pendant qu'ils se battent. Où est-ce qu'il est mon pet? Ah, il est caché derrière. Bon, l'avantage c'est que je peux quand même aller au contact. Dans tous les cas, ce qu'on pourrait appeler mes pets, ils viendront me défendre. Et au pire, ils viendront ce qui traîne. Qu'est-ce que c'est que ça? Et mais ma magie est suffisamment puissante pour les tenir éloignés. Franchement, comme quoi ce skill de base est vraiment bien. Voilà, on va appeler le. On va appeler notre ami loup-garou. On va faire une régène mana. Ça vous a manqué des hurlements. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent, les hommes du désert? Ok, ça c'est la gargouille. Ça a l'air pas mal. Après, faut que je vois en termes de dégâts, parce qu'il me semble que ça en fait pas beaucoup. Ça devait être 30%. Donc c'était pas énorme. Mais j'ai envie de dire un peu monter, pourquoi pas. Ça peut être intéressant sur le long terme. Un Elite Bureauer. Un fouineur de dunes. Ou un fouisseur. Alors je ne sais point. Quelle larve. Pognon. Urne. 2. On va mettre de la mana. Attention au poison. Ah, ça c'est bien parce que ça fait du dégât de zone. Voilà, parce que c'est vrai que c'est vraiment le skill de base, en tout cas le deuxième. Pas le tout premier. Mais je trouve que sur le Wizard, c'est vraiment très efficace. Ah, c'est bon, il m'a pas compté parce que j'ai appuyé sur le drac en même temps. On va déjà prendre un peu le loup-garou. Alors, normalement, je crois que le Wolf a un dash maintenant. Il m'y semble. Alors ça drop un peu, j'espère que ça va se calmer. Il veut le géant. Greater Soul. Alors ça, il me semble, on en a jamais eu. Mais bon, regardez ce que c'est. Ah, et c'est vrai qu'on a pris un niveau. Alors, The Soul of a Greater Being. Si on en a 10, on peut faire un Magnificent Soul. Mais bon, comme les autres, c'est pas pareil.
Ok, déjà ça on va mettre de côté, on va mettre nos points. Stop dropper, t'as pas envie. Alors, comment on va faire? On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On va prendre un peu en armure, un peu en dégâts. On va rappeler notre ami le garou. Alors là, ça se rejoint. On va aller finir ce qu'il y a ici. Hein. Ça se fait pas de les laisser. Ah, ils sont relous avec leurs dots là. Prendre du dégât gratuitement. Alors je sais même pas combien il y a de chapitres dans ce jeu. Alors là on était en cours du deuxième, je me rappelle. Eh mince. Franchement ça se fait pas. Le Spark ça m'intéresse. Quart de bâton aussi. Il me semble que c'est ce que j'ai, c'est assez intéressant. Allez, poutre-moi tout ça, au lieu de m'y attacher. Faut vraiment que je me dépêche de descendre. Voilà, TP. Venez à moi pour mûrir. Je vais appeler le Drac. Pas s'emmerder. Moi je m'occupe. Mais non, je voulais pas ça. Je m'occupe de nos arrières. Pendant que vous aviez un C. Et du pognon. Alors on est. Bah on est à la Manticore, hein, mine de rien. Et déjà. Et là-bas il y a un coffre. Là c'est un mimique. Allez, allons voir ça. Sommes-nous au boss? Donnez-moi de l'argent. À moi les PO. Alors on va refaire venir le Drac. Et notre ami loup-garou. Voilà. Allez, visitons cet étage. De toute façon, j'espère que c'est plus grand que ça. Ça m'étonne un peu qu'on serait déjà à l'étage du Manticore. Pour vrai, je serais un peu déçu par la taille des donjons quoi d'origine. C'est peut-être pour ça qu'après ils nous ont mis un donjon infini à la fin du jeu. Dans le New Game Plus. Et là, de toute façon, avec ce niveau, on peut pas aller, comme j'avais dit la dernière fois, se perdre dans les TP. Et aller dans les zones hors niveau, on aurait l'air de plouc. Et ben en fait, on y est. Là, voilà. Et on va déboîter le Manticore si c'est comme ça. Ah non, vous avez tapé le combat de boss en plein lag. Bah voilà, ça fait des boîtes des boîtes mystérieuses. Non mais stop, dégage toi. Ah non mais il y a le mal. Ah d'accord. Ah oui. Il y a les coupins. Bon, on rappelle le renfort. Hein. Bon, je m'en fous, je vais ramasser.
Eh ouais, on drop pendant le boss, quoi, ça se fait pas. Voilà, ça s'est fait. Mais y a rien. C'est quoi ce coffre de boss de merde, Freddy? Ah, par contre, j'ai du pognon partout. Ça, j'aime. Ah oui, à moi l'argent. À moi le pognon. Pendant que ça drop. Oh, mais c'est qu'il y a du. Attends, c'est quoi ce bordel? Il y a du pognon partout. Il pleut du pognon. Mais calmez-vous donc. Je vais appeler mon ami copain loup. Oh, pauvre petit drac, il est mort. Ah oui, il pleut du pognon. Il pleut du pognon. Massacre. Ah ouf. Qu'est-ce que tu veux? Putain, j'en ai eu au moins 3 des arcs en chaîne. Quel est le deal qui je fous avec ça? Alors, où allons-nous? Alors, il y a un point d'interrogation là-bas. Ici, on a laissé. On va rappeler notre loup-garou. Putain, j'avais laissé du pognon. Ah ouais, je me disais bien, j'avais dû remplir. Alors, je vais le laisser me protéger. Et je vais l'envoyer aux courses. Alors ça, il faut que je teste. Ça, c'est pas pour moi. Ça, non. Alors, la couronne de régent. Ça peut être sympa. Ouais, il y a la vitesse de sort, mais j'ai le 8 de focus. Et j'ai déjà plus. C'est un peu embêtant, ça. Ça c'est quoi ce bâton? Ça a l'air pérable. Alors ça, c'est moins bien. Ça c'est de la daube, ça c'est de la daube. Non, j'ai le 10 de focus. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est moins bien aussi. Ce qui manque, c'est un comparateur direct. Ça, ce serait bien pour gagner du temps des fois. Baguette, je suis pas fan. Ça, on va se débarrasser d'une. Ça aussi. Je crois que c'est pas les mêmes. Ouais, je vais garder ça pour l'instant. Les bottes, il faut que je vois. Et non. Non. Attends, ça régène quoi, mana? Ouais, mais j'ai le 8 de focus. Ça, je garde pas l'anneau. L'anneau.
Ouais, sympa. Plus d'armure. Plus d'armure magique. Et 10 points de mana. Ouais, sincèrement, celui-là est mieux, quoi. Allez, on va le vendre, on va essayer de trouver mieux, quelque chose de plus intéressant. Alors, il y a ça. Ça, c'est sympa, par exemple. On a moins d'armure. Mais il y a le dégât électrique. Ça, c'est sympa. Allez, on va mettre ça, comme ça m'obligera à m'en débarrasser. Plutôt qu'attendre. Ça, qu'est-ce qu'on a dit? Non, tant pis, on va s'en débarrasser aussi. Allez, va en ville. Appelons loup-garou, et ça, on va l'identifier. Ouh, que c'est pas mal ça, ah, mais j'ai pas la force. Il me faut le level niveau 28, oh, je vais l'avoir dans un. Des bottes uniques. Très intéressant ça. On gagne 3 de focus et surtout plus 35% de dégâts. La vitesse de déplacement, je l'ai montée. L'armure physique, on s'en fout. 1% de retrouver, on s'en fout un peu. Bah, on va attendre de prendre un level. Hein. Et en plus, on peut le gémer. Tiens, est-ce qu'on peut le gémer maintenant? Dans le pire des cas, on peut le gémer avec autre chose. Qu'est-ce qu'on a? On a la vitesse d'attaque. Ça peut être sympa, ça. Eh ouais, on peut le gémer de suite. J'ai envie de dire pourquoi pas. Allez, viens, Martin Bulle. Attends, il est rentré chez lui, loup-garou. Salaud, il m'a laissé en plan. Mais bon, comme j'ai dit, c'est pas ça qui va m'empêcher d'ordre. Bien au contraire. Je n'en suis pas moins dangereux. Mais... Saloperie de pilier. Pognon. Voilà. J'ai dit, voilà, je suis dangereux si je commence à utiliser mes techniques. C'est pour eux que ça risque d'être dangereux. Mais stop aux longueurs dans tous les sens. L'homme du désert. Il brilloit. Un homme shiny. Et notre ami est rentré des courses. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Calotte de pionnet. Des urnes. Alors, est-ce qu'il faut faire le tour ou est-ce qu'on peut rattraper? Attends, en tout cas, j'aime bien ce désert parce que franchement, ça bouge. J'espère que ça va continuer comme ça. Perso, moi j'aime ça. On n'a pas le temps de s'ennuyer depuis qu'on est ici. Mais calmez-vous bien. Je vais appeler mon copain Drac là, vous allez bien le frapper. Alors j'ai ramassé un mètre de je sais quoi. Allez, moi je vais chercher, voilà. Je vais chercher du mec. Allons chercher du mob pendant que. À tout. On a le drac avec. Un pantalon en cuir, oh oui. Peur mouler mes petites fesses. Ramassant le pognon. Alors je crois qu'il vaut mieux partir par là.
Alors, vous entrez dans le portail abandonné. Bah, si j'y suis, il sera plus abandonné. Alors, la quête, faut la rendre là, quelque part. Comment on y va? Devant la route. Voyons par là. D'accord, on a un portail. On n'a plus notre ami loup-garou, ni le drac avec nous. Rappelons-les à nos côtés. Ah, c'était lui, c'est vrai, notre ami le sphinx. Mais on n'avait pas été lui parler à lui. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Ça peut être sympa, oui. On va perdre en dégâts un peu électriques, mais bon. Ça aussi, c'est sympa comme baguette. Alors franchement, moi, je vais vous aider. Dans ma généreuse générosité, je me ferai un plaisir. Alors, on est bientôt 27, on pourra mettre nos super bottes. Non, on est bientôt 28. Des conneries. Il me semblait qu'on avait été ici, on avait parlé à notre ami le Sphinx. Je ne comprends plus rien. Voilà, comme d'hab, on rentre dans les trous. Et on se fait agresser. Par contre, ça me plaît pas. Calmez-vous. Peu de mana. Un aspice. Waouh, des tourelles araignées. Des sentinelles mobiles. Le coffre de la radinerie absolue. 12 or. Allez, faites-vous plaisir, tabassez tout ce qui bouge. Une branche de poison. Mais que voulez-vous que je fasse avec ça? Mais carrément, on se croirait dans Sacred avec c'est quoi déjà la race comme ça technologique. On va essayer de pas mourir bêtement en étant caché derrière. Putain, les petites merdes là, on les voit à peine. Alors la question c'est, est-ce que les autres ils se battent en bas? On dirait. Moi, c'est que j'ai le temps d'aller faire des carnages. Alors, ça tombe, il faut aller là-bas. On va d'abord aller faire un tour de l'autre côté. Putain, mais il y a trop de trucs à voir là. On va rappeler nos amis. Passe un peu le ménage pour moi. Est-ce que j'ai appelé le dragon directement? Cette région est impossible quoi, j'ai appelé mes deux amis qui font des carnages. Alors je voudrais descendre. Ah bah voilà, on a pris notre niveau, on va pouvoir mettre nos bottes. Et là ce donjon a l'air un peu plus recherché. En tout cas, il est assez stylé, j'aime bien le design. Alors, je sais pas s'il faut aller en bas là-bas, j'ai pas trop le temps de réfléchir en même temps. Parce qu'il y a de l'élite.
Il y a un peu de monde. Donc j'en profite tant que j'ai mes deux compères. Ouais, ça se revend, c'est du bleu. C'est du pognon. En fait, il me faudrait un add-on que ça me dise quand il n'y a plus mes amis. Non mais... Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il est sérieux. Ah, il a voulu aller ramasser le pognon qui est caché en bas derrière. Ah d'accord. Voilà, c'est ça qu'il voulait faire, je comprenais pas. Il y en a de la brute ici. Désolé les gargouilles, t'as pas pu. Alors, je crois qu'il est reparti. Voilà, déjà le drac, c'était sûr. Il semble que le loup-garou aussi. Alors, niveau inférieur, on va continuer de fouiller avant. Voilà, en fait, ça devait se rejoindre. Je vais aller visiter vite fait de l'autre côté, voilà, on va ramasser un peu ce que j'ai laissé. Ça peut être intéressant. Moi je vais aller voir vite fait là-bas. Et suivre la carte, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui m'attend, à part des mobs. Bon, moi là, je sais pas tout de suite, mais bon. Non, c'est bon. Ah bah si. Tiens. Ouais, ça va tout juste. Et lui, il implose avec son gros cul. Pendant que j'ai un peu de mana, je vais rappeler loup-garou. J'aime bien comment ils apparaissent. Pas genre le truc qui spawn là devant toi. Non, non, il saute. Ah, c'est quoi cette saloperie? Isanik là, qu'est-ce que tu veux? Un nettoyeur, la popo, et du pognon, Spark ça m'intéresse. Il y en a encore en bas, ils sont copiens dans cet endroit. Par palette. Ah, une petite potion de mana. C'est pas comme si on en avait pas, autant en profiter. Lâchons-nous. Ils me veulent les sous-merdes. Ah, l'attaque des scarabées, quoi. Ah, c'est vraiment ça en plus. On est en Égypte. Alors là on n'a pas été. Ah je fais ça, j'ai oublié de rappeler loup-garou. On va éviter pour le rappeler maintenant. On a un peu de mana. Bah, va électrocuter quelqu'un d'autre. Un waypoint. Non mais monte, fais comme tout le monde, prends les escaliers, loup-garou. Non mais il est pas sérieux. Il va vraiment se taper ici. Faire un peu de ménage. Excusez-moi pour le dérangement, excusez-moi, je fais que passer. Voilà, vous inquiétez pas, je repars aussitôt. La femme de ménage.
Allez, notre ami loup-garou, voilà le temps qu'il arrive. Temps de faire les restes. Ouh, il y a du pognon ici. Oh oui, ça gère. Alors, je ne sais pas si on peut changer le niveau de difficulté en route. Je me dis que why not passer en hard maintenant? Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Mais taisez-vous, les enfants du désert. Qu'est-ce que vous me voulez? Bon, bah, je crois qu'on a tout ménagé. On peut y aller. Hein. Là, là. On n'a pas été par là. Putain, je suis à où? Le mec, il va dans le tas, il est prêt à mourir. Rappelons loup-garou. Oh. Allez, on a essayé de lui faire un finish, voilà. Encore une branche de poison. Mais qu'est-ce qui me veut tuer, voleur? C'est moi le voleur de poule ici. Putain, ils se sont pris un coup de griffe dans le dos. Ah non, moi je le dis, il faut jamais se promener sans son loup-garou. C'est malsain. Oh, j'ai bien fait de venir dans le coin, il y a des coffres. Ah, et on avait une clé. Il y a du sarcophage, ouais, il y a du coffre en pagaille ici. Ça a l'air bien, ça, un fils à terre. Je sais pas à quoi ça sert, mais why not? Wow, 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 calmez-vous bien. Sérieux, quoi. Moi, je viens vous emmerder, non? Ah, mais il y a des lames au sol, putain, j'avais pas vu. Allez, on ramasse tout vite fait. L'armure des Badlands. Ça me rappelle Borderlands, tout ça. On va essayer de se barrer par là, voilà, histoire de rester pas trop près des lames. Allez, double invoque. Même si ça me paraît inutile. En tout cas, trop tard. C'est le bordel, c'est le bordel. Un râtelier d'armes, ça rappelle Diablo aussi. Allez, un scroll. Bon, bah voilà, on a fait le tour de cet étage. Et bah, en tout cas, ça fait plaisir parce que celui-ci était bien complet. Voilà un vrai donjon où tu peux un peu te promener sans trop te perdre. Bien, je me demande. Ah, bah c'est là qu'on descend. J'ai les points à mettre, je vais en profiter. Tant pis, je sais qu'ils vont mourir, mais. Et ouais, comme je me doutais, on n'a plus de place. Pourquoi pas, regardons ça. Jeton alchimique. Ah, vieille branche. Non, ça c'est pas pour moi, ça non plus, ça non plus, ça non. Ça j'ai déjà.
ça, je commence à en avoir trop par contre. Et je sais plus s'il y en a encore au-dessus, il me semble que oui. Ça, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas pour moi, non. Ça, je garde. Ça, on avait dit qu'on s'en servirait pour le revendre. Non. Oh, sympa. Ça, ça a l'air pas mal par contre. Ça, qu'est-ce qu'on a? Vitalité, régène mana, mana. Franchement, quel gueule ça lui donnerait? Eh oui, ça ferait de lui un bourreau. Ça, en revanche, c'est pas pour moi. Ça, c'est tentant, mais non. Je ne sais pas. C'est quoi ça, Aspirs? Alors ça, on peut les mettre. Ça, qu'est-ce qu'on a? Dégâts électriques et régène mana. Mais on va perdre le focus. Donc non. Non. Et pipi pipi pipi. Et ça, c'est un nouvel ensemble. Un ensemble qui... Ouais, quoi que si. Ah si, c'est pas mal, ouais, c'est l'ensemble que j'avais vu. Mais bon, je mets encore le niveau pour me permettre de me prendre la tête avec des ensembles. Allez, on va déjà l'envoyer. Alors ça, je serai preneur. Regardons un Drake. Ouais, on gagne un peu. Faut que je le dégemme. Les bottes, les brutes. Ouh, ça on gagne beaucoup, il me semble. Ah, carrément, on gagne 100 d'attaque. Ah ouais, parce qu'il y a plus 35% de dégâts électriques en plus. Intéressant. Là, nous, on peut le gemmer. Why not? Mais je suis en dégâts électriques et en points de mana. Donc certes on a la vie, mais non, je suis pas fan. J'aurais dû le refiler et ça. Ça, il y a beaucoup plus d'armure. Plus de mana. Et 8 armures de poison. Là on a du dégât de poison. Allez, on va le mettre. Mais arrête de faire ça. Voilà. Et ça, on le jettera. On va le mettre comme ça. Mais non. Il peut pas le déplacer à ma place. Sérieux, faut tout faire. Prendre ça. 2 points. Allez, même 3. Et un là. Et on mettra 2 de vitalité à la prochaine fois, je pense. Oui, on a le point 4, 5 déjà. Ça monte tellement vite. Et on a... Bababoum, level 28. Ah oui. Allez, on va descendre. Wow, wow, c'est dangereux ça. Putain, en fait, j'en avais déjà ailleurs et j'avais pas fait gaffe. Je suis un malade. Regardons la nom de classe, dont jamais. Je vais rappeler direct le loup-garou. Et elle est revenue. Alors descends. Qu'est-ce que tu attends? Ah, pas d'agression. Si je me disais c'est trop calme. Qu'est-ce qu'ils me veulent les Outlanders? C'est vraiment chasseur de démons. Et ouais. Attends, je te donne un coup de main. Je passe à l'eau. Une armure à chaîne. Ah oui, ça irait bien avec mon pantalon en cuir. Soit
soyons fous. Alors, par là, ça rejoint. Là, ça se casse. C'est quoi ces coffres de radas? Allez, rappelons nos amis. Mais en fait, faut descendre là. Qu'est-ce que j'ai fait? Par là, la suite. Je me suis perdu en route. Ouh, un mystérieux arc. Why not? Ça peut être intéressant à mettre de côté pour un Outlander. Alors, comment on descend? Voilà, suffit de demander. Pardon, pardon. Là, franchement, entre les procs... les pets... plus mes techniques, ça envoie du lourd. Mais pourquoi il sauve lui? Mais il est pas sérieux. Hop. Mais ouais, moi je reste dans le trou noir, mais bien sûr. Passe en plein dedans. C'est lui là qui fait chier. Moi je m'en fous, je fais une classe au cac quoi, ça me dérange pas plus que ça. Rappeler mes petits amis. Ils s'entretuent les mecs. Moi pas comprendre. Enfin, je croyais qu'il m'avait bloqué, c'est con. Allez, mais meurs gentiment. Voilà, 3 pets c'est juste bien. Voilà, même quand on veut contourner, ça marche pas. Voilà, c'est bien, c'est qu'ils attaquent de manière quand même assez intelligente. Ah, mais là ça va trop dans tous les sens. Faut que... pas bien dire ça alors que je me plaignais tout à l'heure que c'était trop petit. Visitons. Hop là. Wow. Sérieux quoi. Mon pet, un mystérieux plastron, why not? Ça m'intéresse. Botte mystérieuse encore. Et il y a beaucoup trop de mystères dans ce coin. Je vais rappeler notre ami le Drac. Il me semble qu'ici ça va être une bonne idée. Wow, 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 wow. Oh, calmez bien vos races là. Fou, je sais pas combien ils étaient, mais ils ont essayé de me gambanguer. Ah, ouais, non, mais ils sont vraiment beaucoup. Ils tombent des toits, tels des ninjas, ils se faufilent. Ils sont un peu malades. Rien à fouiller. Non. Bon, il me semblerait que ce soit la bonne voie. C'est quoi ça? Il y a des pièges. C'est piégé. Alors,
Alors ça, quand ça t'épée partout, voilà, tu fais comme ça. Tabasse tout ce qui bouge. Des sandales, des Badlands. Ah, j'avais bien vu ça tout à l'heure. Hein. Voyons l'inventaire. Ah, il y a un set de Badlands. Voilà, le problème, c'est que j'ai mieux, j'en suis désolé. Ouais, c'est sympa, mais j'ai plus 8% de dégâts de tout type, quoi. Putain, c'est les mêmes. Ok, ouais. Ah, ouais, c'est vraiment les mêmes. Ah, dommage, ça c'est pas pour moi. C'est pas mal, mais c'est pas du tout pour moi. Oh. Oh oh oh. Dommage qu'il n'y ait pas le... un espace gemmable. Réfléchissat. On gagne en vie des capoisons, ça m'embête un peu. Il y a le 3% de dégâts en plus. Mais il y a le 13 focus et on récupère de la mana. On va regarder un peu ce que ça me dit là. C'est quoi, c'était ça? Testons. Eh ouais, on gagne quand même. Ah, je voulais voir juste un truc. Ah ouais, c'est affiché directement. C'est bien ce que je pensais. Mais non, mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Viens là. Ok, qu'est-ce qu'on a ramassé d'autre? Alors que je voulais voir. Arme améliorée, tuer 20 créatures mécaniques pour l'améliorer. Sauf que c'est pas pour moi, mais il est sympa. Dommage que c'est un double dégât, mais pour l'Outlander ça peut être assez sympathique. Armure à chaîne, non. Ouais, ça vend pas du rêve. Ça c'est de la daube. Et on a récupéré donc encore en dégâts et on va prendre un level. Pas très longtemps. Et là, ça descend pour repartir de l'autre côté. On va rappeler nos amis. Voilà. Alors, est-ce que ça récupère? Eh ouais, en fait, on y est direct comme je le pensais. Bon, c'est pas grave. Allons voir. Allons visiter. De toute façon, on a déjà un peu trop d'avance sur le. Par rapport au donjon, donc. Trop traîner ici. De toute façon, on va prendre trop de level. Ça peut que nuire. TP. Appelons notre ami le Drac. Voilà. Je vais buter ses tourelles. Ah, mais c'est lui, c'est vrai, c'est le pet qu'on peut avoir. D'accord. Je trouve assez stylé. Et donc, forcément, ouais, il va TP. Donc voilà, quand on l'empête, ça donne ça, mais version où je bouge encore plus vite. Moi perso, ça m'avait saoulé. Wow, 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 wow. Ça a rappelé le garrot. Ah, mais ça pop comme ça, quoi. Stop, calmez-vous bien. Il grappine, le salaud. Il a zérise aussi. Et en parlant de ça, faudrait que je regarde, on peut mettre des skills normalement au pet. Voilà, ça apprendra à grappiner les gens.
Mais il a des 153k. C'est pas mal quand même. Allez, il est bientôt mort. Mais c'est bien, les combats de boss sont assez sympas. J'aime assez. Il y a pas mal d'ads en général, ils ont pas mal de vie. Allez. Ah voilà. Revolt against Artifice. Ah mais c'est pas pour moi. Une arme d'astre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Non mais calmez-vous bien vous. Appelez mon ami loup-garou. Comme ça il va me protéger. Alors on va prendre le coffre du boss. Fouillons. Il n'y a plus rien. Ouais, y a pas grand chose non plus. Alors, portail vers la surface. Ah, mais c'est vrai que notre ami Sphinx avait un très bon bâton à nous refiler. J'avoue que ça m'intéresse, ça. Alors. Est-ce qu'on peut lui rendre? Non, mais il se moque de moi, il va pas me donner mon cadeau. Il me renvoie au casse-pipe. C'est sérieux. Non. Tiens, stop, ramasser des tobes. Là, j'ai pas mis mon level. Alors, j'avais dit. 1, 2. 1, 2. On va mettre un point d'ex. Chance de critiquer, c'est bien d'en avoir. Mine de rien, c'est toujours un petit plus. Hein. Chance d'esquiver, on est bientôt à 14%. Récup d'échec critique. C'est pas mal aussi. Et je vais prendre le loup avec moi. Ah mais il faut que j'aille en ville en fait. Voilà, allons voir ça. Faut que j'aille à Zerifesh. Et bah comme ça j'irai vendre moi-même et j'irai enchanter. Comme ça je couperai la première partie de vidéo ici pour ce soir. Avant d'en lancer une autre. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Notre ami est là. C'est lui qui nous rend le truc? Ah parce que le bâton m'intéresse. Alors rencontrez le djinn. Ok, il faut négocier en gros. Qu'est-ce que c'est ça? Alors... Déjà la marchande. Ah non, c'est pas elle. C'est lui d'à côté. C'est lui. Alors ça je garde. Non. Là, hop. On se débarrasse, ça c'est pas pour moi. Ça qu'est-ce que c'est? Non, ça il faut que j'enlève. Ça bam. Ça non. Ça non. Putain, j'ai ramassé toutes les dobes. Et je le crois pas.
Ça, il faudrait que je le mette au coffre. Ça, il n'y a pas de gemme. Ça, je m'en débarrasse. Ça aussi. Ça veut que j'enlève les gemmes. Ça, on va en vendre une. Voilà. Alors, il y a une quête secondaire ici. Qu'est-ce qu'on nous propose? Ok, il faut aller voyager vers le nord, vers les saints empilés. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais, c'est pas mal aussi. Bonus de 50% dégâts critiques. Ouais, on verra ça. Où est-ce qu'ils sont? Chanteur. C'est lui, il me semble. Non, non, ça c'est le transmuteur. C'est lui l'enchanteur. Alors, où est-ce qu'il est notre nouveau bâton? Celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Ok. Ouais, ça se prend. Hop. Mais non, il a crashé, le jeu a crashé. Franchement.